tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Homzy. Aujourd'hui, nous sommes, ben, vous l'avez reconnu, sur la map de Vinzenburg, une map que je vous recommande. Aujourd'hui, nous faisons la ligne M3, donc qui est une ligne un peu, on va dire, à BHNS Express. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en capacité. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais en profiter pour vous dire maintenant. Vous voyez cette ambulance? Eh ben, les sons peuvent être saoulants, mais en fait, j'ai trouvé comment les enlever. En fait, il y a un son dans le fichier du jeu Homzy qui en fait correspond à Guerre Feuille Or Vert, je crois que c'est ça le nom. Et ben vous le retirez tout simplement. Et voilà. Comme ça les ambulances ne vous péteront plus les oreilles. Parce que je peux vous dire que c'est méga saoulant à force. Alors aujourd'hui c'est un peu pluvieux. Parce que bon il fait un petit peu chaud ces jours-ci. Donc j'ai décidé un petit peu de mettre quelque chose qui... Ben... rafraîchit un peu. Donc un jour de pluie, voilà. Et en plus ça changera un petit peu la conduite puisque... La route sera un petit peu plus glissante. Et là, on va pouvoir partir justement. Bon, apparemment, les autres là ne veulent pas monter, bizarrement. Par contre, il y a un seul truc que je vais faire pour que je puisse entendre les jeux. Enfin, pour que j'entende bien Homzy. Parce qu'en fait, j'ai un autre casque, donc c'est en fait le son, il sort dans l'autre. Ça va être l'heure. Alors moi je dis... oula, j'ai un petit bug ou... Ah oui. C'est que j'avais désactivé le moteur pour économiser un petit peu d'essence. Voilà, j'ai un petit peu eu de la peine avec le moteur. Mais c'est pas grave. Bref, là on peut démarrer réellement. Alors... Quoi dire au programme aujourd'hui? Ben, pas trop grand chose, hein. Déjà, la première chose que je veux dire, ben, c'est quoi devoir conduire prudemment. Bon, alors, apparemment, le système est automatique, donc c'est bon. J'espère que c'est pas une erreur. Ah oui, par contre, il faut que je fasse très attention à ne pas aller trop vite. Parce que ça glisse, évidemment. On est en temps de pluie, donc du coup, la distance de freinage est beaucoup plus grande. Oui, j'ai quand même quelques notions en conduite. Bon, pas les plus élevées. Je veux dire, j'ai pas encore fait mon permis, donc bon. Mais il y a quand même des notions que j'essaie de base, de toute façon, parce que je les ai déjà vécues. On sait tous, logiquement, bah, sur une surface mouillée, bah, ça prend plus de temps à s'arrêter. Donc ça, je pense que c'est pas inconnu de nous tous. C'est comme sur la glace, hein, je veux dire, ça patine, donc ça paraît logique, justement. Alors, donc, aujourd'hui, ligne M3, donc sur la map de Vinzenburg. En capacity. Alors, je sais pas pourquoi les gens ne montent pas ici. Est-ce que c'est un problème de girouette? Non. Parce que oui, j'ai bien mis la girouette comme il le faut. J'ai bien coché l'option Hauptbahnhof, mais je sais pas pourquoi elle s'affiche pas correctement. Aucune idée. Bref. Ah non, lui j'avais eu peur parce que là c'est vert pour mon côté donc du coup moi j'y vais. Ouais, donc la girouette elle bug, je sais pas pourquoi encore une fois de plus. Pourtant elle s'affichait correctement. Ou alors c'est juste que c'est exceptionnellement pour la vidéo, on va savoir. D'ailleurs, je vais allumer un petit peu l'éclairage comme ça c'est un peu mieux pour mes passagers. Parce que c'est vraiment pas beau dehors, c'est vraiment pluvieux. Et en plus, je suis en capacity, donc ça complique un petit peu plus les choses. Ah oui, et au passage, pourquoi j'ai pris un capacity? Alors, j'ai déjà dit avant. Mais c'est parce que tout simplement parce que on est sur à une heure assez critique que j'ai nommée l'heure de pointe, qui est une heure où il y a beaucoup de gens qui voyagent. Bon, là, c'est un petit peu vite pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Donc, du coup, j'ai pris les précautions. Le sitôt, les petits véhicules comme ça de côté. Donc non, il faut prévoir pour bien transporter. Donc le capacity. Bon, j'aurais aussi prendre un autre véhicule articulé, mais mon choix s'est porté sur le capacity. Voilà. Apparemment, il y en a juste une qui descendait, mais
C'est ça qui m'étonne. En fait, c'est comme si les passagers, là, ils avaient en fait quasiment ben, 5 mètres carrés dans le bus, rien que pour eux, vu le nombre et la place que j'ai, quoi. D'ailleurs, au passage. Non, j'avais un doute, ouais. Au passage, il est environ 7 h, entre 7 h 15 et 7 h 20. Rönnsö, mais attends un instant. Rönnsö, c'est pas là où j'étais. Mais c'est là où j'étais, espèce de conne! Chevalier Strasse. Voilà, Chevalier Strasse, parce que là, je me disais que ce nom, il me parlait, quoi. En fait, elle était retardée, enfin, le système est retardé, je sais pas pourquoi. Après, je sais pas si c'est un bug, hein, parce que j'ai installé la map spécialement pour cette vidéo, donc peut-être qu'il y a deux, trois petites programmations qui ont été un peu... complètement bidouillées. Mais bref, tant que ça me permet de jouer correctement, ça va, quoi. Je veux dire, ça rame pas, c'est ça avance quand même il le faut. C'est... voilà. C'est correct. Bon, par contre, là, je vais baisser un petit peu la vitesse. Il faut aller à 60. Et là, je suis un tout petit peu plus élevé. Et vous voyez qu'il faut bien freiner au bon moment parce qu'avec la pluie, la distance est beaucoup plus longue. En fait, je vais transporter que les petits, quoi, au final. Ça qui est marrant. Allez, hop. Oh, mais alors lui, il est passé, mais à ras de mon véhicule, hein. Bon, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit parce qu'elle a parlé un petit peu vite et avec une certaine intonalité. Intonalité, non, une tonalité plutôt. Et je me demande si c'est le fait que la girouette bug que les passagers là ne montent pas. J'espère que c'est pas ça parce que sinon ça me ferait très profondément agacé quoi. Enfin bref, ça permet un petit peu de conduire. Enfin, je vous fais découvrir en même temps un petit peu la map comme ça et par un temps différent justement, un temps qui est pluvieux. Ah tiens, on retrouve celui qui m'a failli me frôler là. Ouais, c'est bon là, ça va, je l'ai pas cogné. Alors, ta-ta-ta-ta. Ça va, j'ai pas trop grand chose à dire. Ah bah j'ai une demande d'arrêt, je crois qu'en fait, ben. J'aurais dû prendre un véhicule plus petit. Mais je me demande en fait si ces passagers ne sont pas censés prendre la même 3. Et qu'en fait c'est la girouette qui bug à mon avis. Je crois que c'est la girouette qui bug à mon avis qui fait à ce qu'il ne monte pas. Parce que je veux dire, il n'y a que la... Il y a une autre ligne, oui, mais ça c'est une ligne N. Et les lignes de N, bah, c'est de nuit. Et là, il est environ 7 h 20. Donc du coup, il y a un truc qui va pas, je trouve. Hauptbahnhof, Funzig-Meter. Gare principale à 50 mètres et c'est justement ici. Là, faut bien que je regarde parce que c'est pas facile avec la vitre qui est pleine de pluie. Ah bah là, il y a plein de lignes. Est-ce qu'ils montent, eux? Ah oui, quand même dès qu'ils montent, hein. Logique. Alors qu'en réalité, bah, ça aurait dû être sur toute la ligne, parce que, je veux dire, c'est une heure où les gens se déplacent, quoi, pour aller au boulot. Ouais, salut! C'est un langage de collègue entre bus, quoi. C'est très... c'est... En fait, c'est normal, quoi, que les chauffeurs se saluent comme ça, quoi, en se faisant un petit signe.
C'est une petite méthode courtoise, je trouve, et ça, c'est pas trop problématique, quoi. C'est juste un petit bonjour comme ça pour montrer bah, qu'on pense aux autres. C'est là que j'ai envie de mettre une chanson, là, genre. Je crois qu'elle s'appelle Singing in the Rain, bah, mais je vais pas la chanter parce que déjà je connais pas les paroles. Mais c'est juste parce que ça me fait penser un peu à ça. C'est le temps, quoi, que je veux dire, cette pluie qui fait penser. Je vais juste me mettre bien en face, comme ça c'est plus logique. Voilà. Et en fait, bah, y a que deux passagers au final dans le convoi. Hello! Voilà, je tends la main ici pour prendre. Eh mais, j'ai bientôt plus le droit de faire un petit bonjour à mes collègues qui viennent en sens inverse. Non mais. En fait, je crois que j'ai hérité d'un truc dans ce jeu, c'est les pires passagers du monde. Ils râlent quasiment pour un rien, quoi, j'ai envie de dire. Voilà quoi, c'est juste pénible. Si je dois me coltiner à ça à chaque vidéo, ça devient un peu. C'est ennuyeux. Regardez-moi ces petites bosses comme ça là, ces motifs. Pardon, c'était un coup de hoquet. Ces motifs là au sol. Voilà quoi. Alors, je sais pas si le système est encore retardé, mais là on arrive quand même à la gare principale à la gare de Wiesenburg, qui dit que le concert est là. Bon, évidemment, le virage ici est très difficile à prendre, et ça, c'est pas facile. Bon, alors, terminus de la M3 qui se trouve juste ici. Par contre, pour le Grünthalstrasse, je sais pas du tout. Est-ce qu'il était quelque part là avant? Wow! Mais what the fuck? Regardez ça quoi! Le véhicule il est complètement entortillé sur lui-même. C'est encore un bug, je crois, que j'ai jamais vu ailleurs que sur cette map. Incroyable. Bon, évidemment, je vois rien par la suite là derrière parce que c'est complètement bouché avec le gris. Mais bon, parfois c'est vrai qu'OMZ est truffé de bugs justement. D'ailleurs, à propos de bugs, il y a une mise à jour qui doit bientôt arriver. Alors, j'ai pas trop d'informations là-dessus, mais ce que je sais, et quelque chose qui peut m'intéresser, c'est qu'on va pouvoir enfin, d'après ce qu'on nous a dit, enfin conduire des véhicules beaucoup, mais beaucoup plus grands. On les appelle les biarticulés. Et oui, on nous promet un Vanoul biarticulé dans la prochaine mise à jour d'OMZ. Enfin, plutôt comme add-on. Et ça m'intéresse particulièrement parce que ça permettra de voir un petit peu comment est la conduite d'un biarticulé. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer, notamment. Parce que les jeux de simulation d'aujourd'hui, en autobus, c'était toujours des modèles standards ou des modèles articulés. Et ben là, on va pouvoir un petit peu expérimenter un modèle beaucoup plus grand. Alors oui, parenthèse, il y a déjà eu un biarticulé sur OMZ qui était un MEP, quelque chose comme ça. Mais je l'ai pas trouvé vraiment excellent quoi, c'était pas très bien foutu à un moment. Donc j'attends de voir vraiment ce que vaut ce Vanoul parce que là, il promet justement, en plus c'est de la qualité signée Darius, qui lui-même est l'auteur du C2G. Donc j'attends de voir un petit peu ce qu'il nous propose. Enfin, aussi ce que ce véhicule nous réserve. Bref, je vais pas faire trop longtemps. Voilà, donc on a fait environ 15 minutes de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens bah, sont dans ma description de chaîne ou de la vidéo. C'est vous qui voyez où vous voulez vous rendre. Et quant à moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine. Man Lion City.